Nous sommes de retour en direct pour la dernière session live de cette journée du vendredi sur le stand Electronic Arts de la Paris Games Week. Et je suis en compagnie aujourd'hui de Jean Mercier, qu'on commence à bien connaître, qui est chef de produit sur Battlefield 1, mais également Jean-Baptiste Monnier. Salut Jean-Baptiste, comment tu vas? Ça va très bien, et vous? Bah écoute, ça va très très bien, tu me vouvoies. Qui nous regardez tous. Vous tous qui nous regardez en direct. Exactement, mais si tu veux, oui, je peux te vouvoyer. On peut se vouvoyer, ça oui, peut être rigolo. Bien sûr. Fait désuet pour on cette parle, première guerre mondiale. On parle Battlefield, exactement. Bon alors, tu n'es pas simplement venu parce que tu es un gros joueur. Tu es ici parce que tu as prêté ta voix à l'un des personnages de Battlefield 1. Exactement, exactement. Première expérience de doublage de jeux vidéo pour moi. Ouais, grâce à ce monsieur ici présent qui m'a contacté. Et voilà, et donc je suis ravi maintenant de découvrir, d'avoir ma voix dans un jeu vidéo et encore plus Battlefield 1, donc je suis très content. Quel est le nom de ton personnage? Je m'appelle Clyde Blackburn. Ouais, et qui es-tu? Je suis un pilote de l'armée des Alliés et qui va voler un avion et qui va vivre des missions un peu périlleuses avec son acolyte Wilson. On aurait dû peut-être mettre une spoiler alerte en fait avant de dire ça. Hein? Oh, c'est trop tard. Tu crois? Mince. Oups! Ah. En même temps, on va le découvrir, je crois. Ouais. Comment ça s'est passé? C'était un peu un rêve de gosse, non? De doubler un personnage de jeu vidéo? Ouais, en tout cas, de faire partie d'un jeu vidéo, c'était. On a toujours rêvé, petit, quand on joue un nombreux jeux, on rêve toujours d'incarner le personnage, d'être vraiment dans le jeu, et en totale immersion, et là d'avoir eu la chance de prêter sa voix le temps de quelques missions. C'est vrai que c'est un vrai rêve de gosse qui se réalise. Est-ce que c'est différent du travail d'acteur? Ou alors je suppose que tu as déjà fait du doublage, mais là, quand tu doubles un personnage qui n'existe pas vraiment, quand tu doubles un personnage animé, comment est-ce que tu te prépares? Écoute, j'avais fait du doublage de dessin animé, mais il y a vraiment quand j'étais beaucoup plus jeune. Ouais. Et le travail est complètement différent, surtout que là, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand j'allais découvrir le jeu. Est-ce que j'allais arriver en studio? Est-ce que j'allais avoir les images du jeu ou pas? Est-ce que j'allais voir jouer en même temps et essayer de vraiment me mettre à fond dedans? J'ai pas eu forcément le scénario en amont, enfin quelques jours avant, donc voilà. Mais on t'envoie les pages et t'as plein de trucs et faut que t'arrives à tout lire avec les didascalies à côté. Donc j'arrive en studio et je vois, voilà, tu dois dire ça, t'es dans un avion à tel moment. Donc en plus, première guerre mondiale, pas de radio. Pour parler avec ton copilote, faut gueuler. Donc on m'a dit, va falloir sur tes deux jours de taf, va falloir que tu cries beaucoup, donc il faut que tu te prépares. Donc j'avais mes petits rituels de chauffage de voix avant, mon petit thé à côté. Et après on a enchaîné toutes les répliques, les différentes variantes de jeu. Donc un exercice en tout cas en tant qu'acteur, totalement différent, j'avais jamais fait vraiment ça. On t'apprend pas forcément à faire ça dans les écoles. J'imagine, non. Donc voilà, mais un truc de dingue quoi. Avec Yann, le directeur artistique, on a eu un super feeling, on a réussi à trouver, d'essayer de se rapprocher à fond du caractère du personnage et de la voix aussi un peu américaine, comment il avait fait ça. Parce que j'avais que les audios et on devait se baser rythmiquement sur la version anglaise aussi. Est-ce que tu as dû faire un peu de recherche sur les personnages de l'époque, sur les soldats de l'époque, pour voir leur état d'esprit? Est-ce que tu as imaginé un background du personnage? Alors, j'ai eu un récapitulatif sur la personnalité du personnage, sur ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Et ensuite, j'ai regardé un peu des vidéos, essayer de me documenter un peu sur le truc. Mais c'est très délicat quand tu te dis que tu dois faire une voix dans un jeu vidéo. T'es chez toi, t'es en train de lire tes répliques et t'es là, et t'essaies de t'enregistrer avec ton pauvre micro et t'essaies de trouver la bonne voix, mais au final tu sais pas vers quoi tu dois aller. Et c'est une fois que t'es en studio c'est sûr que j'allais pas arriver, c'était un mec qui avait un peu une tête brûlée, qui a pas peur de piloter et tout ça, c'est sûr que j'allais pas arriver avec une voix ultra, ultra fluette, d'arriver, fallait qu'il soit un peu sûr de lui, un peu casse-cou. Donc c'est aussi le truc qu'on a trouvé avec le DA et sur toutes les répliques et le peu de cinématique qu'on avait, de voir comment déjà il était un peu fringué, voir ce qu'il faisait. On s'est vraiment basé là-dessus. Quoi. Alors tu nous as parlé de toute la phase avion. Hier on était ensemble avec toi Jean et on était également avec Dimitri Payet, à qui tu as fait tester, je crois, dans la boue et le sang. On avait commencé par ça, une mission de tankiste. Maintenant on va commencer le chapitre dans lequel a joué JB. Qui s'appelle Des Amis Haut Placés. Alors avant de lancer le gameplay, on a une petite surprise pour toi JB.
Est-ce que tu veux bien me passer la magnifique statue? Magnifique statue! Un joli cadeau pour Jean-Baptiste. C'est quand même très très belle. C'est l'édition collector de Battlefield, montre-la à la caméra. Ah, voici. On est très très content de t'offrir. Bah, merci. Pas beaucoup de c'est super exclusive. En plus, c'est une édition DICE. Il y a le petit logo DICE dessus. Ah, DICE, c'est spécial. Ah, merci DICE pour signer. Merci. Allez, sans mais. Et comme on est des fous chez EA, on en a une pour vous, public. Attention, il y a un grand jeu. La question c'est comment s'appelle le personnage que joue Jean-Baptiste dans Battlefield 1? Attention, c'est dur. Oui. Envoyez vos réponses sur Twitter et on tirera au sort un euro gagnant. Elle est très belle. Et n'oubliez pas pour envoyer vos réponses sur Twitter pour tenter de remporter cette figurine collector d'indiquer le hashtag IEPGW et comme vous l'a indiqué Jean, quel est le nom du personnage qu'interprète Jean-Baptiste Monnier dans Battlefield 1? Si vous avez la bonne réponse, envoyez-nous un tweet avec le hashtag IEPGW et on tirera au sort la bonne réponse pour tenter de gagner cette autre figurine collector. Merci beaucoup Jean pour ce beau cadeau. C'est un plaisir. Merci, mais moi aussi je suis ravi. Elle va trouver sa place chez toi. Je vais voir. Dans le bureau. Si elle t'encombre, tu me dis. Hein, on sera ravis de t'en débarrasser. Non, je vais trouver une place. All right. Donc alors, tout de suite, on va commencer la mission. Jean-Baptiste, est-ce que tu as déjà joué à celui-ci? À ta mission. Ah, ma mission, ouais. Ouais, bien sûr. Ah, donc tu connais déjà. C'est celle-ci, hein. Ça c'est Disgrâce. T'as préféré la guerre totale. Ouais, j'ai déjà joué. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, en tout cas, j'ai fini tout le mode campagne. Ouais, c'est une de mes missions préférées. J'ai beaucoup aimé aussi la mission en Italie avec Venti parce que le fait d'avoir l'armure et d'aller dézinguer tout le monde, c'était vraiment un gros kiff. Et voilà, c'est un de mes chapitres préférés en tout cas. Ouais. Donc toi, tu incarnes? J'incarne le pilote. Celui-ci. Hop là. Qui arrête pas de se chamailler avec le tireur, non c'est exactement. Ça exactement. Comme un vieux couple en fait. Un vieux couple, dans un avion. on s'envoie en l'air, tout ça. Ah là, ça je me souviens que quand on a doublé ça, on n'avait pas du tout les cinématiques, j'avais juste ça. Et j'avais, je crois, les cinématiques, mais rien n'était fini. Donc tu vois, j'avais même pas. Mes personnages n'étaient pas du tout habillés et voilà, il fallait qu'on double là-dessus. Mais, est-ce que tu faisais un peu des wouhou? Est-ce que tu essayais de prendre des libertés? Est-ce qu'il y a des moments où tu as improvisé? Il n'y a pas vraiment de liberté, parce qu'il faut vraiment, en fait, dans le doublage, tu vois, c'est vraiment dans la rythmique, quoi, et carré par rapport à ce qu'a fait la version anglaise, parce qu'au niveau des labiales, c'est ça. Ouais. C'est un peu compliqué. Mais on c'est a essayé de. Celui de droite, ton personnage. Là, c'est lui. Ouais, lui. Un petit peu plus vieux que moi. Et alors, comment s'est fait le choix, Jean? Vous avez pensé naturellement à Jean-Baptiste Monnier? Jean-Baptiste est venu très vite. Quand j'ai su qu'on cherchait un acteur français, j'ai vu les profils et j'ai cherché un acteur jeune, un garçon. Talentueux. Plutôt talentueux. En tout cas, qui avait des vraies compétences avec sa voix. En fait, c'est vraiment, on cherchait ça. On ne pouvait pas prendre n'importe qui pour faire ça. Et c'est aussi intéressant qu'il soit gamer. Parce qu'il sait ce qu'il va faire, en fait. Il y a beaucoup de phrases qui sont parfois répétées parce que il y a des cinématiques où c'est comme ça. Et le fait d'avoir un gamer, un, il est déjà plus intéressé dans le projet, et deux, il sait ce de quoi il va se lancer. C'était une belle proposition. Tu peux pas refuser ce genre de truc. C'est pas possible. Et ça. Puis après, quand tu m'as dit qu'il y avait aussi Nicolas du Rocher, avec Nico, on est potes et on a tourné un film ensemble. Et de se retrouver. On a fait un film pendant la guerre, mais à l'époque, tu vois, le Grand Maul, et de se retrouver encore dans un même jeu pour la Première Guerre mondiale, c'était assez marrant. Et on est gamers tous les deux. Donc, et Nicolas de Vauchel, qu'on va également recevoir ici, dans cette salle, un peu plus tard, dans quelques jours, sur la Paris Games Week, sur le stand d'Electronic Arts. Alors là, la mission a commencé. Alors là, la mission. Alors, comme je joue pas sur Xbox, faut juste que je. C'est à peu près pareil. Mais... Est-ce que Jean, tu peux nous donner un peu le contexte? Mais c'est inversé, non? Alors, spoiler alert, qu'est-ce qui se passe? Le personnage Jean-Baptiste a trouvé un peu par hasard ou par chance une base allemande où il y a plein de munitions et il a reçu l'ordre d'aller l'attaquer. C'est inversé ou pas là les... C'est inversé. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est les commandes des vrais, quoi. Quand tu pilotes un avion et que c'est inversé, waouh. Donc là, tu t'es un peu entraîné, Jean-Baptiste, quoi, on peut le dire. Ouais, mais je t'avoue que normalement, je joue pas inversé.
siège de ouais, décollage. Tu joues pas en avion, on est versé en avion. Est-ce que Jean, on peut changer les commandes inversées rapidement ou pas? Non, je crois pas. Hein. Ça dépend. JB, tu me dis, on change, c'est en 2-2. Est-ce que c'est vraiment relou de jouer en inversé si t'as pas l'habitude? Ouais, est-ce que j'ai quand même vraiment, pas, hein. J'ai pas vraiment l'habitude. Je sais. Très pause. Vas-y. Est-ce que ça sert à rien de jouer que ce soit une purge en fait? C'est pas l'idée. Non, mais c'est pas grave, on va parler. Ah, tu m'avais fait le piège. Alors. D'accord, ok. Tu t'étais trop entraîné. Ouais, ça serait tellement bien. T'as pas les vraies pédales et tout ça? Le vrai manche d'avion? Et alors du coup les autres missions, t'en as pensé quoi Jean-Baptiste? Alors moi comme je te disais, j'ai adoré le chapitre en Italie ouais. Et le chapitre aussi de Nico Laurence d'Arabie. Alors on l'a vu avec Dimitri Payet ouais. Hier, il y a une particularité dans certaines maps qui est que lorsque ton personnage meurt, tu vas pas respawn au même endroit et tu vas pas refaire le même passage, tu vas te réincarner dans un personnage différent du champ de bataille. Ouais. C'est quelque chose que tu avais déjà vu ça? Non, pas forcément, non. Ça c'était assez sympa, c'est sur la première mission, en mode un peu tuto, comme j'en parlais avec Jean. C'est assez sympa, mais... Attends, j'en ai juste un allemand un peu. Ah oui, c'est dur de parler quand on joue. Et le truc c'est que... c'est assez sympa, mais après... Dans ce genre de jeu, t'aimes bien t'attacher à des personnages, tu sais. Et là, le fait d'avoir un personnage avec une histoire différente à chaque fois, c'est vraiment, vraiment assez cool. Pas comme les anciens, même Battlefield, où tu suivais un mec sur plusieurs missions. Tu vois, sur le Battlefield 4 aussi, ou le Hardline. C'est un peu comme ça. Alors attends, LB, c'est où déjà? C'est là. Ouais. C'est là-haut? Voilà. On voit que tu t'es entraîné quand même, parce que c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident, mais alors je t'avoue, comme je joue pas forcément sur Xbox, mais... Non, mais en plus, t'as eu toute une première partie de mission où t'avais les commandes inversées, donc c'était un handicap. Ouais, c'est ça. Genre, il m'a fait un piège, donc du coup... Attendez de piéger, c'est pas sympa. Ouais, c'est pas facile. Je savais que c'était un champion. Là, je sais qu'il faut que j'ai... Je crois qu'il y a des DCA. Ouais, c'est ça. Des camions. Jean, du coup, t'as pas du tout d'astuces à donner. JB, il connaît vraiment tout sur le bout des doigts. C'est un pro gamer. Je vais prendre une leçon au contraire. Une prendre leçon carrément. Ouais. Le mec est tellement corpo. Là c'est quoi? T'es en train de détruire une base? Les non, camions un tank. DCA. Sauf que j'ai un pote derrière moi. Ce concept de réparer aussi c'est cool. C'est quand même pas mal. Ouais. Tu peux réparer ton avion? Ouais, tu peux réparer, mais bon, tu peux pas tirer quand tu le répares quoi. Sinon, tu peux pas tout faire quoi. C'est déjà pas mal parce que quand ton avion commence à être abîmé sur une mauvaise passe. Wow. Oh, frontal. Là, quel est le but? C'est d'abattre tous les avions qui sont en l'air et. Là, les camions qui sont au sol. Et ensuite, je m'occuperai des avions. Parce qu'il va falloir que je. Bah, vous allez voir. C'est vrai que t'as les objectifs à gauche en même temps. J'aurais pu lire sinon. Non, mais c'est pas grave. C'est pour te faire parler. Alors. Ça te déconcentre pas quand on te parle et quand tu joues? Écoute, ça va. Hein. Ouais. Non, ça va. Ça a l'air d'aller. En général, quand tu joues au jeu, même au jeu de guerre, c'est que tu joues avec des potes, donc soit tu te fais chambrer, soit... voilà. Est-ce que tu te souviens de quelques-unes ou alors il y a une réplique qui t'a marqué dans le jeu? Écoute, je sais pas si on a une qui m'a marqué. Je sais qu'il y en a qui m'ont tué la voix, en tout cas. Oui, il faut crier? Ouais. Ah ouais. Y en a qui étaient un petit peu... En plus, tu sais... Il faut parfois un peu dire la même chose, mais avec des mots différents, mais en fait c'est pour varier un peu je crois dans le choix à chaque fois qu'on tire dessus, pour pas que tu aies les mêmes réactions quoi. Voilà, exactement, c'est des scripts, c'est-à-dire dans le jeu, il y a sur certaines conditions des sons qui vont se déclencher. Par exemple, quand tu te fais tirer dessus, il y a un son qui se déclenche, mais il faut pas que ce soit toujours le même. Donc il va enregistrer 10 fois. Attention, on se fait tirer dessus, juste pour donner un peu de variété. Non, moi ce que j'aimais, ce que j'ai adoré faire surtout, c'est tous les encounters, tout ce que tu vois pendant le jeu, c'est génial. Mais les cinématiques, les cinématiques, c'est vraiment très intéressant parce que en plus on a eu la chance, on avait la barre, c'est la rythmo. Ouais. Et ça, c'est en tant qu'acteur, c'est là où tu kiffes le plus parce que comme je te disais, tu vois, nous on avait la chance d'avoir les images des acteurs américains ou anglais, je ne sais pas d'ailleurs. Dans le studio, dans le fond vert, donc tu voyais exactement ce qu'ils faisaient eux avec tous les capteurs et tout ça. Et après tu te bases par rapport à comment ça s'appelle, au rythme qu'ils donnent et tout ça, et au mouvement du corps et tout ça.
Et c'est là où j'en ai parlé avec, avec le directeur artistique. Objectif atteint, juste au passage. Merci. Et avec le directeur artistique, c'est là où, où tu parles de... Où il me dit, c'est bien quand, t'es musicien, t'as ce truc de rythmique aussi quand, t'es comédien au théâtre, tu vois, t'as arrivé à placer ta voix et à être en rythme. Et le fait d'être musicien, t'es en rythme par rapport à... T'écoutes ce que fait le mec en anglais. Et tu, si t'arrives au bout de deux prises, c'est bon, t'arrives à choper le truc, quoi. Et du coup, le côté interprétation, parce que si tu te cales sur la performance d'un autre acteur, tu dois être un peu frustré, tu dois vouloir un peu montrer ta personnalité de comédien. Bah, t'aimerais, après, pourquoi tu le donnes dans la voix. T'aimerais donner ton truc, mais après, c'est sûr que t'es pas maître du truc où tu pourrais dire plein d'autres choses ou vraiment te lâcher un peu plus, mais t'es quand même retenu par le texte. T'aimerais improviser, mais tu peux changer 2-3 mots pour dire que c'est pas forcément le plus naturel de dire ça comme ça. Après, c'est écrit comme ça aussi, il y a l'adaptation. Jean, tu pourras faire passer le message à nos amis de Dice à Stockholm et leur dire que peut-être un prochain Battlefield avec un rôle de petit Frenchie qui parle en anglais avec un accent français. Pour faire passer une step à Jean-Baptiste Monnier qui devienne directement personnage de la version originale, ça pourrait être pas mal. Promis, voilà. Le message passera. Ouais, s'il te plaît, hein. Sinon je prends mon avion et je te jure. Hein. Donc comme c'est pas loin, en plus leurs studios sont vraiment très sympas. Ah, ils sont passés ou pas là? Là on a atteint le premier objectif, c'est quoi le prochain? Bah, le prochain, c'est je crois qu'il faut que je détruise les... Les petits avions rouges. Ouais. À engager les chasseurs ennemis. Alors moi j'ai du mal avec les missiles. En combat aérien, c'est un peu une galère. Alors que j'ai des potes qui ne shootent que avec ça, qui ont essayé. Mais il faut être vraiment super proche des avions. Il faut être très proche, ouais. Alors moi, ce que j'aime bien quand il y a les bombardiers, c'est passer par en dessous. Ouais. Est-ce que peut-être qu'après, on peut avoir une mission où il n'y a pas d'avion? Oui, il y en a aussi, mais je ne sais pas si on aura le temps. Oh, on va prendre un tout petit peu de temps, ouais. Ça, c'est ça que t'aimais bien faire quand t'es passé en dessous? Ouais. Tu nous parlais d'une mission dans les Alpes tout à l'heure, c'est spoilé de la montrer cette mission? Pardon? Jean-Baptiste nous parlait de sa mission préférée tout à l'heure, c'est un peu du spoil de la montrer ou pas? Non, c'est bon. Non? Mais en plus, pas de spoiler, hein, faut acheter le jeu. Le jeu est sorti après tout. Non, mais c'est surtout que le solo dans Battlefield en général, c'est plus un tutoriel pour bien découvrir les mécaniques du jeu, le cœur du jeu, ça reste le Il y a multi. Deux écoles, hein, moi j'aime bien les modes solo, c'est pas le tuto. Bah ça va. Heureusement qu'on a changé les commandes inversées. Ouais, je me sens un peu plus à l'aise quand même. Légèrement. Je peux pas me lâcher. Hein. Protéger la formation de bombardier. Bon bah JB, si t'as envie d'essayer une autre mission, c'est quand tu veux. C'est toi qui dirige. T'es notre invité on va protéger. Ici, donc c'est toi Il faut aller toujours au bout de sa mission. Ah, toujours. Un puriste. C'est sûr que là, je me rappelle de cette mission. Je sais que c'était très fatigant vocalement. Comment ça se passait un doublage sur un jeu vidéo? Tu t'étais pas renseigné? T'avais déjà voulu le faire? Tu t'étais déjà intéressé au truc? Je sais pas du tout. Non. Intéressé, ouais, au doublage, ouais, j'ai toujours été très intéressé. Après, doublage de jeux vidéo, tu sais pas forcément qui contacter, tu sais pas vraiment qui aller voir, comment ça se passe. Même tes agents ou quoi, ils vont pas. T'as pas forcément des gros castings, tu vois. Quand on veut chercher des acteurs pour doubler des jeux, souvent les agents ne savent pas trop ce que c'est les jeux vidéo, ne connaissent pas. Ouais, mon agent connaissait pas du tout. Exactement. Moi, quand j'ai parlé aux agents de Battlefield 1, souvent ils découvraient, ils hallucinaient un peu. Quoi. Donc il faudrait qu'il y ait une meilleure communication quelque part entre les agents d'acteurs et les éditeurs de jeux vidéo. Je pense que les jeux vidéo sont dans tous les cas de plus en plus connus, donc ça va forcément arriver. Je veux dire, vous voyez, même avec tout ce qui vient de sortir sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Tous les films bientôt vont être. On va avoir de plus en plus de films là-dedans. Je pense que c'est un truc vers lesquels certains agents ou certaines personnes de l'industrie du cinéma devraient se tourner. Parce que en plus, il y a des scénaristes de dingue. Tu vois, je veux dire, c'est des scénarii qui sont écrits dans plein de jeux, mais c'est assez incroyable. À chaque fois, un jeu vidéo, c'est un vrai film.
Il y a voilà. Même des jeux vidéo qui sont plus écrits que des films. Ouais, bien sûr. Le scénario de Battlefield 1, il est quand même vachement poussé, vachement travaillé. Ouais, ils ont vraiment cherché chacun des personnages. Il y a des vraies recherches. Et je pense que c'est aussi excitant de bosser sur un scénario de jeu vidéo que sur un scénario de film, tu vois. Mais comme tu le vois, il y a plein de films qui sont adaptés au cinéma, qui arrivent là, et qui sont de jeux vidéo. Donc tu vois, on va de plus en plus se tourner vers ça, et ça c'est cool. Tu sais que Battlefield va être transformé en série ? Oui, ça a été annoncé assez récemment. Ouais, il m'a dit ça, et j'étais un petit peu sur... ouais, je suis un peu surpris, je pense que ça va être très très grand. En série télé ? La production, c'est un gros studio américain qui s'en occupe. Il va y avoir une série. Il n'y a pas un rôle pour Jean-Baptiste Meunier ? Est-ce qu'ils vont faire l'armée française ? Vas-y, passe-moi. Bonne question. J'ai fait mes études aux États-Unis, je peux peut-être aller là-bas, je vais leur dire. Je veux bien faire l'accent. Écoute, on va essayer de mettre toutes nos chances de notre côté. Quelle caméra il faut que je regarde ? Il faut que je regarde celle-ci. Si vous nous regardez en direct, s'il vous plaît, aidez-nous à mettre Jean-Baptiste Meunier dans la série Battlefield. Pour ça, envoyez-nous des tweets. Des Twitter. Il faut trouver un bon hashtag. Hashtag IAPGW, hashtag JBBF1. JBBF1. Ça peut être pas mal, oui, ça, s'il non vous plaît, aidez-nous beaucoup. Faut sauver le soldat Jean-Baptiste. Alors là, c'est quoi la suite de la mission ? T'as atterri là. Oh, le pauvre homme. Pourquoi il a ses armes, voilà. Il est fantastique, ce pistolet. Ce pistolet est fantastique. Je préfère ce pistolet au fusil. Ouais. Jean, est-ce que tu peux nous raconter cette mission ? C'est la suite de l'avion ? On a atterri ? Oui, on a manqué un petit épisode grâce à nos bavardages. Il s'est écrasé. Il est tout seul derrière les lignes ennemies. Il va falloir regagner le camp allié. Et en plus, il a perdu son copilote, à qui il avait promis de le ramener. Ouais. T'as perdu ton meilleur copain ? Et donc là, c'est des moments où tu parles tout seul ? Tu te parles à toi-même exactement. Pour pas devenir fou ? Enfin, je raconte l'histoire un peu aux joueurs, mon histoire. Comment j'ai atterri ici, ce qui se passe. Et alors RB, c'est en fait c'est RB, c'est merde. T'as attiré son attention, bravo. Toi, qu'est-ce que tu préfères, JB ? Est-ce que tu préfères être en infiltration ou alors est-ce que tu préfères y aller frontal ? Franchement, ça dépend. Mais là, en ce moment, je suis frontal, tu vois. Est-ce que c'était à cause d'une sombre erreur de gâchette en même temps ? Oh, grenade. En tout cas, c'est vraiment très beau. C'est le deuxième jour qu'on peut regarder Battlefield 1 sur cet écran avec hier Dimitri Payet qui était avec nous et aujourd'hui Jean-Baptiste Meunier. Et vraiment, des différentes campagnes qu'on voit, c'est magnifique. C'est la photo, comment est-ce que tu nous avais expliqué ? C'est les photographies de Dice. Photogrammétrie. Retenez ce nom pour impressionner vos parents et vos professeurs. Pourquoi t'expliquais que c'était ton pistolet préféré ? Léger, rapide, il est très efficace. Tandis que le fusil, comme c'est un coup, il est c'est Première Guerre mondiale, donc tu mets un petit peu plus de temps à recharger. Hein. Et pistolet, c'est toujours valeur sûre, hein, ça va plus vite. Sinon, t'avais une pelle tout à l'heure. Hein. Ouais, je l'ai bien utilisé la pelle. Voilà. Bravo. Chier. Quand t'es pas discret, il y a un inconvénient, c'est que tout le monde c'est te tire dessus. Tout le monde te tire dessus, exactement. C'est un tout petit peu embêtant. Un autre challenge, on va dire. Donc là, l'objectif, c'est de retrouver ton pote. Ouais. Enfin, l'objectif, c'est de survivre à la base. Survivre. Je pense que mon pote, je l'ai un peu oublié, là. Je sais même pas où il est. Tu les connais par cœur, les emplacements des ennemis ? Ah, ok, d'accord. Non, voilà, maintenant je les vois. Ah, c'est là, j'ai trouvé RB. J'ai pas de grenade. Oh. Écoute, étant donné que tu es très doué et que tu te débrouilles très bien, moi je vais m'intéresser à vous qui nous regardez en ce moment en direct sur Facebook Live et sur YouTube Gaming. Et il est temps pour moi de vous annoncer le nom du gagnant du quatrième palier. Oui, souvenez-vous, aujourd'hui, il y avait le deuxième et le troisième palier qui avaient été débloqués.
et le gagnant de ce quatrième palier qui, je le rappelle, remporte 3 jeux Electronic Arts plus 3 jeux eSports est Martin Tintin 03 remporte donc les trois jeux qui sont présentés sur le stand d'Electronic Arts, c'est-à-dire Battlefield 1 auquel Jean-Baptiste est en train de jouer, mais également FIFA 17 et Titanfall 2, mais également trois jeux eSports. Alors continuez bien de nous envoyer des messages puisque vous le savez, plus les paliers sont débloqués, plus les lots sont importants. Et demain, si vous continuez à envoyer plein de messages avec plein de hashtags IAPGW, eh bien vous arriverez à débloquer, mais j'ai vraiment aucun doute sur le fait que vous y arriviez, vous arriverez à débloquer le palier numéro 5. Le palier numéro 5, qu'est-ce que c'est? Ça va? Bon, tout va bien. Le palier numéro 5, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 3 jeux EA, les 3 jeux qu'on présente ici sur le stand Electronic Arts, 3 jeux EA Sports, mais en plus de ça, donc ça faisait déjà 6 jeux, auxquels s'ajoutent une figurine et un t-shirt Titanfall 2. Jean-Baptiste se débrouille toujours comme un chef, toujours pas mort, parfait. Putain. Oh, je viens de... Tu sais tirer la bonbonne? Ouais, mais c'est de la bonbonne que je peux tirer. Ah, c'est l'alarme? Non, ça c'est l'alarme, mais je sais pas. On a un autre à gauche, hein. Je vais mourir. Il est nul ce fusil, en effet. Bah, au corps à corps, t'es frontal, voilà. Non. Voilà. Clyde Blackburn, 1889-1917, mais t'as survécu vachement longtemps. Oui, j'ai fait de... Bah écoute, oui. Non, ça va, je me suis entraîné heureusement à venir. T'as sinon, l'habitude de durer aussi longtemps. Tu refais ta mission, tu refais ta mission. Tu peux pas mourir, pendant la vidéo. Le mec l'a fait 25 fois. Donc ouais. Et donc là du coup, on recommence. Bah on repart. Au début. Ah, mais la guerre c'est dur. Hein. Ouais, mais à la guerre tu reviens pas. Hein. La bonbonne, on n'a jamais réussi à la toucher, hein. On sait pas comment ouais, faire. En fait, hein. Il fallait faire X. Voilà. Oh là là, ce fusil, c'est une tannée. Ouais, il est long à recharger, hein. C'est. Mais il y a la baïonnette dessus. La baïonnette, donc, c'est pas marrant, mal. Ce qui est marrant, c'est ça. Et le flingue, je préfère quand même. Est-ce que c'est un labyrinthe, les tranchées, ou alors est-ce que tu arrives à t'y repérer assez facilement? Je crois que c'était un peu conçu pour qu'on arrive à se repérer assez facilement. On croit, on a l'impression que c'est un labyrinthe, mais au final, n'importe quel chemin que tu prends, ça va t'amener forcément. Te ramène au bon endroit. Ouais. Donc à moins d'avoir un sens de l'orientation zéro. Bah, franchement, tu vois, parce que tu l'as pas sur la carte même. Ouais. Tu suis, hein. Je pense que de toute façon, c'était des vrais labyrinthes. Le principe bien linéaire des modes solo est respecté. Voilà, ça recharge. Tu prends des risques, baïonnette. Ouais. Petit coup de pelle. C'est pas mal ça. Ça, je préfère. Jean-Baptiste, Jean, je vous laisse continuer à jouer. On me souffle dans l'oreillette que ça va bientôt être la fin des 30 minutes. Ça fait déjà 30 minutes 30 qu'on minutes est ensemble. Ah, bah, vous vous rendez compte? Time flies, comme on dit, outre-manche. En tout cas, merci Jean-Baptiste d'être venu ici. Bah, je te laisse continuer de jouer, hein, t'as l'air de bien t'amuser. Et puis comme ça vous permet à vous tous qui nous regardez de continuer à voir un petit peu de ce mode solo dans cette tranchée, la suite de la mission dans laquelle Jean-Baptiste Meunier interprète l'un des personnages. Merci beaucoup Jean d'être venu à nouveau nous expliquer un petit peu comment fonctionne Battlefield 1 et de nous donner des anecdotes. Et merci beaucoup d'avoir pensé à Jean-Baptiste. Oui, merci. Ah, surtout merci à toi. Et surtout n'oubliez pas, on essaye de propulser Jean-Baptiste Meunier en acteur de la série Battlefield. Ah, vraiment, si t'y arrives... Ah ben, champagne. Champagne. Attention, on a des captures d'écran, cette émission est enregistrée, sera rediffusée, moi je veux le champagne. Quant à nous, cette émission se termine maintenant. On se retrouve demain puisque les lives continuent toute la durée de la Paris Games Week sur le stand Electronic Arts avec un seul hashtag, le hashtag IAPGW. Et je vous donne rendez-vous demain samedi pour une journée assez chargée. En effet, on aura une session de jeu avec Calypso 53. On aura un défi FIFA. Alors là, attention, accrochez-vous contre le champion du monde. Bon, retraité, mais bon, le triple champion du monde quand même. Bruce Granek ainsi que Braque qui vont venir
défier des personnes à FIFA. Et enfin, un duel, Vinsky contre Abdou, commenté. Alors là, je suis aux anges, commenté par le monsieur foot de l'équipe du dimanche. J'ai nommé Hervé Matou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de la journée. Merci encore une fois, Jean-Baptiste. Merci Jean, merci à tous ceux de la technique qui ont vraiment assuré tout au long de la journée. Et rendez-vous demain pour une nouvelle journée de live sur le stand Electronic Arts de la Paris Games Week. Salut !